Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Donc, apparemment il y a moult radio autour de moi, moult choses, moult conneries qui causent. Qu'est-ce que... c'est un cimetière. Ok. Je le voyais pas ce truc là, c'est marrant. Ok, on est où? Yuri, la Yuri et El Purito. Alors c'est en plus, c'est la Yuri y El Purito. Donc c'est vraiment bien en espagnol, je crois. Ok, bref, mission secondaire, diversion. Demandez un contentement un petit groupe rebelle. Ça peut être sympa aussi à voir, ça. Aha. Aha. Je veux aller voir ça. Est-ce possible? À combien de millions de kilomètres est-ce donc? À 1 km, on va prendre ce véhicule, ce van. Donc, c'est quoi l'objectif? L'objectif ici, c'est désactiver la première... Oh! Ça me dit vaguement quelque chose. Non, tu t'arrêtes. Merci, je veux pas entendre ta propagande. Ok, on est bon. On a un super véhicule de course. On est tout bon. Alors, si vous voyez de la fumée devant la caméra, c'est normal. C'est mon encens qui brûle. Y a pas de souci, calmez-vous. Marcus le hippie est là. On va plus les toucher. Non, c'est d'accord, c'était un A pour le frein à main, d'accord. Là, il y a la Unidad à gauche. Salut les filles. Aucun problème. No suicide, man, no suicide. Ok. Ok. Parfait, merci. Je reviens. Désactiver. Et normalement là ça va falloir aller très très vite. Ok, on passe à l'antenne suivante. Allez, on se bat. Hop. On est parti. Avancez sans moi. Crac. On a moins d'une minute pour y aller. C'est la fête. Et finalement, bah ça se passe mieux une fois qu'on... Il y a quelqu'un derrière. Ah non, je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière moi en fait. Une fois qu'on a la moto. Oh la vache, il y a un champ de mine ici. Ok. En tout cas, j'aime bien comment est l'animation de la moto. Oh la vache. L'animation de la moto est vraiment cool. Bon, par contre là, elle est pas cool du tout avec mon timer. Ok, dépêche, dépêche, dépêche. Ah putain, je confonds. Grimpe, grimpe, grimpe. Putain, il veut pas. Ah non, le jeu manichéen. Ah putain, j'aurais dû faire le tour. Dommage. Dommage, dommage. On a du plomb dans les bottes, oui ou non, hein, ça dépend. Ça dépend de ce que t'entends par là, fallait que je sache que je suis ponté par là. Du coup, on est juste à côté d'une base, dans la base, il y a dit quelque chose. Alors déjà, caméra, pardon, pas caméra, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Alors ça, voilà, ça on l'a déjà. Là, voilà. C'est quoi ça? La Casa del Mexicano, au lieu de commandement. Oh, il y a encore un autre truc là-bas. Je suis trop loin? Apparemment, je suis trop loin. La Casa del El Mexicano. Del Mexicano, pardon. Alors, on peut reprendre à Itaqua Delta. On va tenter de la refaire, chers amis. On va tenter de la refaire. On verra bien. Advienne que pourra, comme on dit. Hein. Crac. Mon meilleur ami. Vous voyez, je regardais, je me disais, c'est marrant, il n'a pas répondu. Certes, il a raison. Et vous ne savez pas à quel sujet, mais il a raison. Mais vous ne savez pas à quel sujet. Est-ce que quelqu'un veut monter derrière moi? Je vous suis, allez-y. Bon, personne ne veut monter derrière moi, donc on prend ça. Montez. Tais-toi avec la radio, je parle pas espagnol, cabron. Je crois que ça veut dire connard en espagnol, pardon. Je connais même pas les insultes en espagnol. J'ai fait allemand! Merde!
Ok, on recommence. Voilà. Ok. Bon, là, on prend tout notre temps. Et on sait plus ou moins comment on va pouvoir faire. Ok. C'est parti. Ouais, bah, de toute façon, je partais quoi qu'il arrive, hein, mot du gland. Ok. Donc on sait qu'en passant par la droite, on aura un accès bien plus rapide. Quoique, regardez là à gauche. Il y a l'air d'y avoir une sorte de passage. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors l'animation est cool, sauf quand elle se met à faire la... Quand elle se met à faire la... Comment que ça s'appelle la... La gazelle. En fait, il y avait carrément juste une ligne droite, là. Allez, 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 désactivé. Au travail. Wouh ! C'était juste ça. Donc, on a la livraison de véhicules, on a maintenant la diversion aussi. Alors, question, à quoi mène... Enfin, quelle est la finalité ? Diversion, demander un contrôlement à un grand groupe, à un vaste groupe. Ouh, ça peut être rigolo. Ok. Ok, donc on a plein de choses à faire là-dedans. On a un lieutenant ici. Un intel critique qui est très intéressant. Ah oui, c'est l'autre map. Voilà, c'est ça, c'est pas la bonne. Ok, d'abord je vais finir Yuri et El Polito. J'ai dit poule. J'ai dû dire Pulito. C'est pas grave. Ok. 4 sur 6, donc il me manque des choses. Ah, attendez, il y a une mission ici. Mission principale. Ok. Alors déjà, on va aller ici. On va se déployer ici, hein, tranquillement. On va aller prendre le point en caméra de la ville juste à côté, parce que ça peut être intéressant, sait-on jamais. Et on va continuer, ensuite. On va aller peut-être voir la mission principale. Ah, merde. Un instant, chers amis. Chers amis, excusez-moi. Hop, voilà, bon. On est meilleurs soldats. Oui, l'espoir peut aiguiller mes hommes. Mais il nous faudra plus que de bons sentiments pour l'emporter. Pas de soucis. Oh, pauvre petit père. La fête ne fait que commencer. Ok. Alors, normalement, par là, il y a un point. Donc, c'est pas là. Alors, comment je le fais grimper? Parce que j'ai dû oublier les touches, c'est pas possible autrement, parce que... Bah non, c'est bien. Ah. Donc, c'est juste qu'il veut pas le faire partout, d'accord. Non, je voulais juste que tu... D'accord, là, c'est franchir, c'est pas grimper. D'accord. Ah bah voilà. Donc, nous disions. Ok. Là, c'est là. Qu'est-ce que c'est? Yopi, le cartel a enlevé tous les villageois. D'accord, effectivement, ça me dit vaguement quelque chose. Et là, il y a un intel. Dossier Kingslayer. Ok, preuve photo. Pourquoi pas. Nous, on va se rendre ici. Hein. De toute façon, ça c'est clair. Le cartel retient prisonniers dans le village de Kulta, posséderait des intels exploitables sur la Yuri et El Polito. Libérez-le et découvrez ce qu'il sait. Mais on l'a pas déjà attaqué, ce truc-là? On va y aller en hélico. On va y aller en hélico, on va bien voir. Cette histoire me dit vaguement quelque chose. On y va. Enfin bon. Je prends le manche. C'est bon, j'y suis. Bah, vous êtes que deux, hein. Bande de nazes. Ok, c'est bon, on y va. Ok, on est bon. Quand même vachement joli comme endroit. Hein. Oh, c'est quoi ça? C'est joli. Oh là 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 là. Comme jeu, hein. J'ai dit comme endroit, vous voyez comme quoi la limite est là. On l'a attaqué il y a pas longtemps, ce truc là. Bon. On refait une attaque propre. Ou on tente une attaque bourrine. Tiens, c'est parti. Ok. Ok.
Aurait-on eu tout le monde? En tout cas, une grosse partie de nos ennemis. Ah. On a de la fumée noire, donc on va se poser. Aïe. J'ai fait une connerie. Oh la vache, la physique était bien faite là. La physique m'a surprise. Ok, donc il nous reste un ennemi ou deux dans la maison. Wow. Oh la vache. Coulter est toujours en train de cramer. Ouvrez l'œil, trouvez-moi le rebelle qu'ils ont enfermé ici. C'est ok. Bon, on est tranquille. Donc il y avait bel et bien quelqu'un à aller chercher ici, donc c'est bon. Ok. Hey, hey, bonjour. Ouvrez-moi, vite. Elle est ouverte la porte. Bonjour. Ça va, Hermano? Qu'est-ce que vous me voulez? Yuri et Polito, le couple de connards qui t'a torturé. On veut leur faire payer ce qu'ils t'ont fait. Pour ça, il faut qu'on sache où ils t'ont emmené. On n'est pas allé loin. C'est tout ce que je peux dire. Et d'accord. C'est un endroit isolé. Ok. Maintenant que t'en parles, il y avait une odeur comme une vieille peau de bête. C'est tout ce que je sais. Je suis désolé. C'est pas grave. Là au moins, on sait qu'ils sont pas loin. Gracias. Ah, ah, c'est cool. Ce jeu est cool. Bon, par contre, j'ai plus d'hélico. Merde. On a enfin localisé ces deux pourris, Yuri et Polito. Ah ! On a croisé le GPS de la voiture avec la description de ton prisonnier. Ils sont dans un pavillon de chasse qui servirait apparemment à l'ordre. Ah, mais on a déjà été aussi au pavillon de chasse. Donne-nous les coordonnées, on fait le reste. Occupez-vous d'eux et ne vous retenez pas. Oh, bah compte sur moi, hein. Je me retiens rarement. Hein. Parce que déjà que je tiens longtemps, alors si en plus je me retiens, voilà. Alors pour ceux qui savent de quoi je parle, hein. Et pour ceux qui ne savent pas, réfléchissez pas trop. Ok, donc on sait plus ou moins où ça se passe. C'est quoi ça? Arrêter le convoi de transmission. Faut l'arrêter ou le récupérer? Parce que je veux bien le péter le machin, il n'y a pas de souci, hein, mais... Alors il y a une médaille bonus que j'ai pas. Attendez, j'aimerais bien avoir fini la zone, moi je croyais que je l'avais fini. Ah ah. Ah ah. Oh oh. Ok. Ok doki. Ok doki. On va là. On va d'abord finir la zone avant d'aller battre les... avant d'aller battre les boss de la zone. Mais, enfin, de leur coller un pain dans la tronche, parce que franchement, vu les pervers qu'on se tape... Vu les pervers qu'on doit tuer, plutôt pas qu'on se tape, parce que ça fait encore pire quand je dis qu'on doit se les taper. Ah ! Ah, mon hélicoptère ! Ah, mais je peux pas attaquer avec un hélico. Parce que... Quoique, là, je pourrais peut-être. C'est où qu'il est le point, normalement ? Là, je peux aller le chercher en hélico. Là, je vais le chercher en hélico, celui-là. Mais l'autre, faudra qu'on a... vu que c'est de la... l'infiltration pour aller chercher un point... On patientera. Ok, salut les filles. C'est papa. Je viens prendre mon hélicoptère. Je prends le manche. Dit comme ça, c'est vraiment horrible. Hein. Ok. Allons-y. Alors, je m'attendais peut-être à plus de guéguerre sur le terrain. Plus comme certains Far Cry où justement le terrain est véritablement violent. Où il y a moult. Chaque carrefour, il y a quelqu'un, vous savez, pour vous. Pour savoir qui passe pas. Bah limite s'ils sont tous là-bas, je vais pas m'emmerder. Hein. Voilà, c'était un peu violent, mais hey, qu'est-ce que j'y peux. Hop, voilà. Ok, on a des points de compétences à chier partout. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Reconnaissance jumelle, vision thermique. La vision thermique pourrait être intéressante. Drone, vitesse. Bon, on pourrait mettre des points dans la batterie et dans la portée du drone. Hein. Ça pourrait être carrément intéressant. En termes d'armement, on a visée plus stable, lance-grenade, capacité en mission, destruction de véhicules. Ça c'est niveau 14, ok, bon, on va attendre un petit peu pour ça. Mine sonore, c'est quoi ça?
Ah, intéressant. Ça peut être intéressant aussi. Oh, t'es sérieux? C'est à ce point-là? Waouh! Du coup, je sais pas du tout quoi prendre. Parce que franchement, ça peut être carrément rigolo. Ça peut être carrément rigolo, je le prends. Au niveau de l'arme, je prendrais bien autre chose, mais je préfère attendre un peu. Le matériel. Le parachute, on en profite, on l'a pas. Maintenant, on l'a. La vision thermique, ça vous irait, chers amis, on a plus assez. On a plus assez. Alors maintenant, on va aller s'attaquer. Alors déjà, on va aller prendre notre jumelle et on va prendre les deux points. Voilà, lieu inconnu plus pour longtemps. Un ranch d'élevage de bétail est là-bas. C'est à cause des feuilles. D'accord. Alors, là, apparemment, on est dans un camp ennemi. Ça peut être sympa. Non! Non, 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 tu es où, radio à la con? Radio à la con, tu es où que je te défonce? Là-haut, tu es là-haut, d'accord, ok, tu ne parleras pas. Non! Oh mon Dieu, c'est une radio immortelle! Il cherche, non? Me cherche, me cherche, me cherche. Désolé. Ça. Ouais, bah, pardonnez les péchés, ça tombe bien que t'en parles. Salut, fille. Ennemi désigné, par contre, il est à peu près des civils. Il a un beau chapeau, lui. Ouais, t'inquiète. Ok. Problème résolu. J'aimerais bien qu'il y ait une glissade dans le jeu. Je sais que c'est bruyant une glissade, mais... C'est tellement plus efficace. Ok. Oh, foutu radio! Tu es où? Ne me dis pas que tu es immortel. La zone est clean? Ouais, oh, cool alors. Nous, faut qu'on aille jusqu'où? Comme ça, faut qu'on aille jusque là. Ça peut être rigolo d'y aller à travers champs, cela dit. Hein. Ça peut être très rigolo, mais j'ai envie de prendre un pick-up parce qu'il est joli. Beau comme un camion! Allez, monte. Oh, vous pouvez pas passer! Vous pouvez pas grimper derrière! Ah putain. Je suis déçu. Je suis grandement déçu. Oula, il est pas fait pour ça, hein. Clairement, il est pas fait pour ça. Oh la vache. Oh, je suis désolé. Ah. On m'avait dit que tuer des innocents, c'était pas top. J'ai tué personne dans cet accident. Tout va parfaitement bien. Boum. Là, j'ai tué quelqu'un ou pas? Non. Là non plus. C'est intéressant parce qu'il encaisse vraiment bien les... Voilà. Alors, la dernière fois qu'on l'a fait, cette mission-là, on est rentré dedans en mode... Fuck it. Moi j'ai un terrain de basket en face. Ok, allons-y. Wow. Jamais 203. Jamais 203. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un troisième selon vous?
J'aurais dû envoyer le drone. Je vais envoyer le drone. Ce sera 100 fois mieux. Drone actif. Là, cible numéro 5. Je vois des sicarios sur zone. Le terrain de foot. Oh la vache, ils sont nombreux dans le coin. Ouais, j'y suis, je reviens, t'inquiète. Je reviens, t'inquiète, voilà, ok. On a fait le tour. T'as rien vu. Elle est juste en face, hein. Mais viens, je t'attends. Pourquoi il parle d'Anne Hidalgo? Mais il marchait dans l'autre sens. Allez, viens me voir, y'a pas de soucis. Allez, viens. Viens. Tout va bien. On y va. En plus, la nuit tombe. Ce qui va rendre les choses encore plus simples pour moi. Non, la nuit tombe pas. Merde, si eux ils s'approchent de trop là-bas. Ok. Je crois qu'on les a énervés. Du côté du terrain de foot. Leur capitaine fout le camp. Ok. Arrête ça, faut lui la paix. Tout le monde. Putain, ce que j'aime mon boulot. Bonjour monsieur le pilote. Comment allez-vous? Vous vous cassez monsieur le pilote. Ok. Je vais chercher la truc. Ok, on l'a. Vous croyez que la Santa Blanca en dissipe beaucoup? Ça en fait une de plus, ça fait une résistance aux balles déjà de gagner. Ok. Je récupère les transmissions vu qu'on est en manque de transmissions. Si on file ces marchandises aux rebelles, on sera dans leur petit papier. Clairement. Hop. Celui-ci aussi, le matériel médical. J'aurais préféré qu'ils appellent ça du matériel médical que des médicaments, honnêtement. Hein, mais bon. L'hélicoptère de l'Unidad, on le prend parce que c'est ça qui est l'objectif de l'endroit. Et nous nous rendons ici. D'accord. Pour 2500 de transmissions. C'est cool. C'est pile poil ce dont on avait besoin. Oh la vache. Ah, c'est autrement plus cool comme hélicoptère que les autres. Hein. Soyons. Donc, ils viennent d'envoyer une... Alors ? Oh merde, d'accord, ça a quand même appelé la patrouille. What? Ok, on va aller dans la bonne direction maintenant, Marcus. Ce serait cool. Ok, je pensais que justement...
Ce serait rigolo de voir. J'ai des phares. Je vois pas la différence. D'accord, je vois pas de différence. Alors non, on va pas utiliser parachute là tout de suite, chers amis, parce que bon, c'est l'objectif de la mission, hein. On n'est pas que con non plus. Ah bah oui, là j'ai des phares. Là je reconnais que j'ai des phares. Oh, j'ai loupé mon... J'ai loupé le point. J'ai été mauvais. Qu'est-ce qu'on s'éclate quand même ? Il est génial. Tirer un hélico, c'est mon rayon de soleil de la journée. Mais il est malade ce mec. Ah, j'adore. J'adore ça. Vision thermique, ça m'intéresse. J'aimerais aussi la voir sur le drone, mais je ne sais pas du tout où elle est. Ici, d'accord, niveau 15. Parfait. 4500 points, 3 points. Ok, et après on a différents types de drones. Ok. Donc maintenant on a la vision thermique, qui est très particulière. Ok. Ok, ok. Bon. Bon, bon, bon. Ce qui veut dire qu'on a absolument tout ce qu'il y avait à choper dans cette... à part les dossiers, on a absolument tout ce qu'il y avait à choper dans cette région. Du coup... Bah écoutez, je retournerai bien ici. Et dans le prochain épisode, chers amis, on va se faire l'histoire principale. Maintenant qu'on a fini la zone, on va aller taper sur El Yuri et... La Yuri et... Le Polito. El Polito. Bon. Je vois pas ce qui explose, en fait, là. Il y a un camion... Ah, il y a sans doute une citerne d'essence. D'accord. Ah, il y a... Si, l'hélicoptère est là. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, nous, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir aimé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Et yo !